Patrick Chabert, eh bien, au même titre que tous les autres candidats que nous avons reçus jusqu'à présent, candidats à la ville de Rouen pour les municipales 2014, eh bien, la formule est la même. Elle est la même sur la durée, elle est la même aussi sur le mode d'interview. Et ce soir, c'est Félix Bolez qui vous interroge. Patrick Chabert, vous êtes avocat. J'aimerais que pour le grand public, vous vous présentiez un petit peu avant d'évoquer votre programme. Racontez-nous votre parcours dans les grandes lignes, évidemment, et comment et quand vous êtes entré dans le monde politique Oh, ben, mon entrée dans le monde politique est relativement récente puisque c'est à la suite de la perte de la ville de Rouen par euh, l'élection de Valérie fonéron euh, en 2008 que j'ai dit à Catherine Morin de Sailly que je trouvais que la ville devait être gérée par des gens euh, de la droite ou du centre droit. Et dans ces conditions, j'ai souhaité m'investir en politique à côté d'elle. Vous étiez encarté dans un parti à cette époque-là déjà Non, j'ai pris ma carte à l'UDI, enfin pas l'UDI d'ailleurs, au nouveau centre, parce que l'UDI n'était pas encore créé à cette période, mais j'avais déjà été tenté par la politique du temps de Jean Le canuel hein, et j'étais membre du CDS dans mon tout jeune temps. Alors, votre arrivée en tête de liste a été liée à un problème de santé de Catherine Morin de Sailly. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode Comment vous l'avez vécu ah, J'ai vécu un peu douloureusement parce que qu'elle m'a annoncé, alors que j'étais en vacances en mois d'août, le fait que qu'elle aurait un problème. Et c'est après avoir réfléchi avec les instances départementales et régionales et nationales qu'elle m'a demandé de prendre la tête de liste, estimant que j'avais les qualités pour pouvoir assurer cette tâche. Et je n'irai même assumer cette tâche parce que c'est une tâche assez lourde d'être maire de Rouen et je regrette qu'elle n'ait pu aller jusqu'au bout de sa, sa volonté parce qu'elle avait tout organisé d'ailleurs Grâce à elle, la campagne est bien lancée parce que tout était organisé au moment où je suis arrivé. Alors votre désignation a fait un peu polémique au sein de votre groupe. Je peux citer Nicolas Huili et Cyril Grenot qui ont rejoint l'UMP et qui notamment déplorent la procédure de désignation qui n'aurait pas été respectée. Qu'est-ce que vous leur répondez bah, Je serais mal placé en tant que juriste et avocat de ne pas respecter les procédures. Donc la procédure a été parfaitement respectée et ce. Qui en est la preuve, c'est que euh, Cyril Grenot a voté mon investiture au Conseil départemental de l'UDI. Bon, euh, Nicolas Zouli, euh, non, dans la mesure où il n'était pas membre de l'UDI, il a même d'ailleurs quasiment jamais été. Ce qui fait que je ne comprends pas très bien cette polémique. Est -ce que que certains n'ont pas trouvé la place qu'ils s'attendaient à avoir dans le cadre de cette campagne. Je le déplore. J'aurais préféré que tout le monde reste à bord. Maintenant, chacun vogue devant vers ses ambitions personnelles. Vous n'êtes pas affaibli par leur décision de rejoindre l'UMP Non, parce que si il y avait eu un mouvement derrière eux qui avait entraîné la plupart de mon équipe vers l'UMP, on aurait compris que c'était un problème politique. Là, ce n'est pas un problème politique. Toute la campagne se passe exactement comme elle doit se passer, avec une équipe parfaitement soudée derrière moi, avec l'ensemble de l'UDI qui me soutient, et je dirais même d'autres forces que l'UDI, de la droite républicaine, jusqu'au centre. Au centre et au centre droit. Puisqu'on évoque l'UMP, j'en profite tout de suite pour parler de l'éventuelle fusion des listes qui sont dans les tuyaux. Enfin, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui bloque entre vous et Jean-François Bure de l'UMP pour faire une liste commune dès le premier tour de cette élection municipale Alors je vais commencer par dire ce qui ne bloque pas. <laughs> en fait, ce qui ne bloque pas, c'est que je n'ai aucun problème avec Jean-François Bure, que je trouve un garçon extrêmement sympathique. On ne partage pas la même idée sur sur celui qui est le mieux placé pour gagner Rouen, mais il n'y a pas de problème d'égout entre nous. Moi, je pense que la campagne électorale doit être proche des préoccupations des Rouennais. C'est ce que l'on va proposer comme programme, comme projet Rouennais qui va emporter l'élection. Euh, Et je ne pense pas comme lui que ce serait la politique que de droite que contre la gauche. Je pense que la politique municipale ne doit pas se euh, penser qu'en termes de politique nationale. Donc, partie de ce constat, nous ne sommes pas d'accord. Après, euh, on donc, demande l'arbitrage de nos instances nationales et Hervé Morin m'a encore confirmé la semaine dernière qu'un accord était intervenu avec Jean-François Copé pour que Rouen qui serait la seule des villes de Seine-Maritime à avoir un centriste comme tête de liste, serait bienvenue de rester au centre. Mais il se trouve que ça n'a pas été la décision des instances régionales de l'UMP, dont le président est Antoine Ruffnac, et dans ces conditions, il n'a pas été possible de mettre en place cette union dès le premier tour. Mais rassurez-vous. Au deuxième tour, il n'y aura pas de difficulté. moi, vous vouliez me poser la question. Non, non, mais justement, vous avez déclaré que pour vous, il n'y avait qu'un ennemi. C'est le mot que vous employez. C'est Yvon Robert. Oui. Euh, justement. Alors, Merci le mot ennemi un... déjà est assez fort. Je regrette d'avoir dit ennemi. Si je l'ai dit quelquefois, Je, je n'ai qu'un adversaire. C'est Yvon Robert. J'ai un concurrent, c'est Jean-François Bu. Justement, alors on va rentrer justement dans les détails de, de votre programme, en tout cas les, les grands projets que vous voulez mener à Rouen. Commençons par la fiscalité. Vous voulez euh, une gestion rigoureuse du budget de la commune Absolument, une gestion rigoureuse euh, qui a toujours été appelée par les centristes. Vous savez que les centristes ont été les premiers à dire qu'il fallait absolument que le budget de l'État soit en équilibre. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par le centre. Euh, nous le voulons que les finances de la commune. On se trouve équilibré avec euh, un, une absolue décision, c'est de ne pas augmenter la fiscalité. Pas augmenter les taux, puisque vous savez que c'est les taux que nous pouvons jouer. Mais euh, donc, dessus pas de... vous êtes d'accord avec le PS et l'UMP Alors, je suis d'accord avec le PS. je suis content de l'apprendre, dans la mesure où pendant leurs 6 ans, ils ont augmenté quand même les, la fiscalité de 8% à Rouen, sans compter l'augmentation au Conseil euh, général. Qui a été de plus de 14% de mémoire. Donc, euh, ça serait une nouveauté pour le PS de ne pas augmenter la fiscalité. Mais c'est vrai qu'avec l'UMP, ça faisait six mois qu'on travaillait à un projet commun, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit en phase avec nos propositions concernant la gestion de cette ville. Ça veut dire de la rigueur, de l'austérité pour, pour la commune, pour vous parce que Pour faire alors, des économies, il faut faire des coupes à un moment Alors, c'est des choix, effectivement, budgétaires qu'il va falloir opérer. Mais euh, je pense que dans la gestion de la ville, il y a des économies à faire. Vous savez que Rouen a un pourcentage de, euh, de, de frais généraux de la ville par habitant supérieur à la moyenne des villes de la même importance. Donc, il y a des économies d'échelle à faire il y a des économies sur euh, la gestion d'un certain nombre de certaines associations, pas de heureusement il y en a beaucoup qui euh, font très bien leur travail, mais sinon il y aura un audit qui devra être fait de l'ensemble du fonctionnement d'un certain nombre d'associations. Il y a aussi des économies à faire euh, dans les frais qui me paraissent parfois euh, somptuaires, donc euh, dégageons des marges pour pouvoir investir dans l'économie dormant. L'économie, justement, pour vous, il faut favoriser le, dé le développement et l'épanouissement des entreprises. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est le discours de tous les partis politiques. Vous, quelle est votre méthode, justement, pour développer les entreprises Alors, euh, ce n'est pas uniquement une incantation en disant qu'il faut développer la vie économique de Rouen et la vie euh, des entreprises. Il y a plusieurs méthodes. La première que je mets en place, c'est un investissement personnel du maire et de ses adjoints dans la... Euh, quête de nouveaux de, de nouvelles entreprises c'est-à-dire que j'ai été toujours frappé en France que euh les politiques attendent que les chefs d'entreprise, notamment les plus, aux, les plus importantes, viennent les voir dans leur bureau et les reçoivent en disant, avec la présence d'un fonctionnaire, en disant, voilà, c'est monsieur qui va s'occuper de votre dossier. Non, maintenant, c'est plus ça. Les gens du CAC 40 ou les, les grandes entreprises internationales, n'attendent pas que d'aller voir le maire de Rouen. Ils s'en moquent un peu du maire de Rouen. En revanche, que le maire de Rouen aille, dès qu'il a une possibilité, dès qu'on a le sentiment qu'il y ait une une piste de réflexion pour dire, tiens, j'ai des bureaux à la Défense, mais c'est beaucoup plus sympathique d'en avoir à Rouen parce que les moyens de transport vont s'améliorer entre Rouen et Paris et je vais investir à Rouen. Et là, le maire doit prendre son patron de pèlerin et aller convaincre le chef d'entreprise. C'est une méthode différente de celle que nous avons actuellement. — En même temps, M. Chabert, il existe déjà une instance, une association, l'ADR, l'Association pour le développement économique de l'agglomération de Rouen, qui joue un peu ce rôle. D'ailleurs, toute commune confondue, incluant la ville de Rouen. Mais vous pensez qu'au-delà d'une structure comme l'ADR, le maire de la ville-centre doit prendre son bâton de pèlerin pour aller plus loin, plus fort ?— Ah oui. Justement, j'ai discuté avec les agents de l'ADR qui m'ont dit qu'ils seraient enchantés d'avoir un soutien direct des politiques et personnels. Il se trouve que... Moi, je suis issu de, euh, de la société civile, puisque j'ai fait euh, 33 ans de barreau, j'ai eu un certain nombre d'activités sur lesquelles nous reviendrons peut-être, mais ce qui me fait bien connaître le monde de l'entreprise, alors c'est vrai que j'ai une petite entreprise et moi tout seul, puisque je ne fais vivre que 6 personnes, mais j'ai quand même 6 personnes à nourrir uniquement euh, en, leur, en vendant que moi-même et mon intelligence, c'est déjà euh, pas trop mal. Un mot sur la circulation. On sait que là, il y a vraiment débat sur ce qu'on va faire à Rouen au niveau de la circulation. Vous, vous êtes pour le développement durable, mais aussi pour faciliter l'accès et la circulation des véhicules dans le centre-ville de Rouen. Comment on concilie les deux? Ah bah, on concilie les deux en privant l'accès à centre-ville de voitures qui n'ont rien à y faire autrement que de faire des voitures ventouses pendant toute la journée. C'est-à-dire qu'on réserve la possibilité d'accéder au centre-ville à des voitures qui sont là pour faire des courses, faire des économies ou venir faire, voir un médecin ou faire des, des courses en, euh, auprès de certains fournisseurs de, de centre-ville. Euh, il est aberrant de voir des voitures stationnées pendant toute une journée. Donc euh, il est clair que si l'on veut mettre en place euh, une gratuité pour permettre aux gens de faire leurs courses, il faudra aussi que ça coûte plus cher s'ils restent plus longtemps. Car euh, on n'a rien sans rien et lorsqu'on a des droits, il faut aussi qu'on ait des devoirs. Vous souhaitez également plus de justice sociale sur les territoires en difficulté. Euh, en quoi votre proposition diffère d'un... D'une volonté que le PS a aussi de, de, de mettre plus de justice sociale dans sa commune. Ah, ce qui est intéressant, c'est que le PS s'en aperçoive à précision de gestion, quand même. Hein. C'est-à-dire que pourquoi ils ne l'ont pas fait euh, tout de suite, non euh, Vous voyez, euh, j'ai beaucoup d'amis ou de clients sur euh, les Hauts-de- rouen notamment, et j'ai beaucoup discuté avec eux. Et ce qui est un frein souvent à l'emploi, c'est pas tellement de faire venir des entreprises euh, sur les Hauts-de- rouen mais de permettre à des euh, jeunes qui viennent de trouver un emploi, d'avoir accès au transport et notamment, j'envisage de mettre en place une gratuité pendant un certain nombre de temps, peut-être six mois, pour les permettre de, de, de venir des Hauts-de-Ronde dans leur nouvel emploi, car ce qu'ils ce qui coince un peu, c'est que le temps de voir votre, votre première paye, le temps de pouvoir mettre en place un nouveau régime avec cet emploi, et ben vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas les moyens. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ensuite, il y a un certain nombre d'associations, de, de vecteurs de, associatifs dont je vais euh, soutenir l'action la, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les hauts de sur les alliances euh, en cas de triangulaire, pour vous, euh, c'est clair, pas d'alliance avec le Front National. Est-ce que c'est l'une des différences avec euh, l'UMP, notamment, où on ne voulait pas du tout marcher sur les terres du Front National Là, voilà, vous me dites. Euh, moi, je veux bien croire l'UMP, comme quoi elle ne veut pas non plus d'alliance avec le Front National. C'est Jean-François Bure a toujours dit cela. Et je ne parle pas localement. Je parle pas localement. Voilà, Je parce parle que localement, euh, il a toujours affirmé son, son absence totale de volonté d'avoir une euh, alliance avec le Front National. Et il est clair que de toute façon, si tel avait été le cas, nous ne pourrions même pas fusionner au deuxième tour, puisque moi, notre euh, ligne politique est claire il ne peut pas y avoir d'alliance avec le Front National, euh, même pour gagner les élections. Pour situer un petit peu euh, votre mouvement, euh, le centrisme, c'est vrai que c'est un mmh. petit peu compliqué en ce moment pour euh, les électeurs de, de, vous, de vous situer sur le thermomètre politique. Euh, comment vous vous différez selon vous de la politique menée par François Hollande, euh, social-démocrate Alors d'abord, <laughs> admettez que c'est une nouvelle politique social-démocrate. C'est un peu nouveau. Donc un peu on peu va nouveau, attendre cas, de voir. Tous les ouais. journalistes politiques la mmh. définissent comme ça désormais. Oui. Et on, on va attendre de voir exactement quel est son contour. D'ailleurs, vous avez entendu Jean-Luc Borloo et Hervé Morin dire qu'on ben, jugera aux actes et il n'est pas impossible de penser que le centre puisse soutenir les 50 milliards d'économies avancées ou une politique proche de la diminution du coût du travail et proche des entreprises. Mais bien évidemment, il y a encore des tas de choses qui nous séparent, notamment l'alliance sociale ou communiste. On peut difficilement penser euh, que l'on puisse adhérer à, une, à, un, à un tel accord. Mais dans les grandes lignes, le centrisme, qu'est-ce oui. que c'est Le centriste, c'est. Des corrections au capitalisme, une touche de social, de... beaucoup voilà. d'économie. Euh... C'est de l'humanisme d'abord, c'est-à-dire qu'en nous, on croit en l'homme plus qu'aux institutions. Vous savez que ça nous dit est une différence avec à la fois l'UMP et le PS. Euh, ces, deux ces deux parties ont une tendance à vouloir se référer à l'État qui serait le, le sauveur de l'ensemble de, de la France. Moi, je pense que c'est l'homme, l'individu qui est, dans, par son initiative, à la base de tout. Deuxièmement, il faut que le capitaliste donc la liberté individuelle d'entreprendre soit maintenue mais avec un correcteur social pour éviter les injustices et les gens qui se trouvent mis sur le côté et donc avec de grandes difficultés. Merci beaucoup Patrick Chabert. Merci monsieur Chabert.